caractéristique de la race de Braque de Weimar. Le Braque de Weimar est conçu pour se déplacer avec une grande vitesse et endurance et combine grâce, endurance et un comportement alerte. Ils ont souvent de beaux traits aristocratiques, avec une expression aimable. Leur démarche est douce et sans effort. Leur manteau court et élégant est réputé pour sa couleur grise unique. Histoire de la race de chien Braque de Weimar. L'Allemagne a toujours été un pays riche en faune et les races de chiens allemands ont acquis la réputation d'être parmi les meilleures au monde. Le Braque de Weimar est né au XIe siècle dans le but de créer le chien polyvalent idéal qui pouvait chasser le gibier de toute taille, y compris le cerf et l'ours. Cet effort a été parrainé par la cour de Weimar, et la race était initialement connue sous le nom de Weimar pointé. Certains des premiers parents de la race comprennent le Bloodhound, le Schweizer rouge et les premières races de pointage. L'origine de la couleur grise distinctive du Braque de Weimar est inconnue, mais c'était une caractéristique précoce de la race. Cette race était strictement surveillée par le club allemand de Weimaraner. Les chiens ne pouvaient pas être acquis par des non-membres et l'adhésion était difficile à obtenir. Ce n'est que lorsqu'un Américain est entré dans le club et a été autorisé à ramener deux chiens en Amérique en 1929 que le Braque de Weimar a quitté son pays natal. Les premiers Braques de Weimar américains ont joué si extraordinairement dans les compétitions d'obéissance qu'ils ont suscité un grand intérêt. Au fur et à mesure que de plus en plus de gens étaient attirés par la race, ils ont découvert leur grande valeur en tant que compagnons. Aujourd'hui, la beauté de la race et sa capacité à être un merveilleux compagnon lui ont valu une clientèle constante. Tempérament de la race de chien Braque de Weimar. Le Braque de Weimar est audacieux et turbulent, parfois trop pour les petits-enfants. Ils adorent courir et faire de la randonnée et peuvent devenir frustrés et destructeurs s'ils ne disposent pas de suffisamment d'activité physique. Le Braque de Weimar peut ne pas être bon avec les petits animaux domestiques à moins d'être correctement socialisé avec eux. Ils peuvent être têtus ou têtus, mais apprennent souvent facilement. Ils fonctionnent mieux avec une famille active qui aime les activités de plein air et qui veut un compagnon qui aime s'amuser. Certains les ont décrits comme nécessitant beaucoup d'attention. Entretien de la race de chien Braque de Weimar. Un effort quotidien intense est un must pour le Braque de Weimar. Ils ne sont pas une race pour la vie en ville à moins que leur famille ne fasse du jogging ou ne court tous les jours. Même dans ce cas, ils doivent se dégourdir les jambes, courir et explorer dans une grande zone sûre. Le soin de leur pelage est minimal, brossage occasionnel pour éliminer les poils morts. Santé de la race de chien Braque de Weimar. Préoccupation majeure, torsion gastrique. Préoccupation mineure, diraphisme rachidien, CHD, entropion, dystichiasis, VWD, hémophilie A, ostéodystrophie hypertrophique astérisque. Occasionnellement observé, processus enchoïal non uni, éversion de la membrane nictitante, PRA, nanisme, dysplasie valvulaire tricuspide, arc aortique droit persistant, hypothyroïdie. Test suggéré, hanche, yeux, thyroïde, VWD. Durée de vie, 10 à 13 ans. Avertissement concernant la race de chien Braque de Weimar. Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.